depuis la naissance de son fils Milo le 1er juillet 2020, soit il y a un peu plus d'un an. Hilary ne se prive jamais d'évoquer son nouveau quotidien de maman sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, celle qui est enceinte de son deuxième enfant en profite régulièrement pour donner des nouvelles de son fils. Ainsi, les internautes ont découvert qu'il avait été notamment victime d'un accident en Grèce, lui occasionnant une bosse en août dernier. Sur Instagram, la jolie blonde avait alors tenu à rassurer ses nombreux abonnés, « Hier soir on a eu très peur. » Milo s'est blessé la première soirée à Mykono restera inoubliable. Mais aujourd'hui bébé Milo va beaucoup mieux. A-t-elle déclaré en légende de plusieurs clichés de sa progéniture. Sur ses photos, les internautes pouvaient constater que la bosse de Milo avait déjà dégonflé. En plus des réseaux sociaux, Hilary partage les moindres faits et gestes de son enfant dans l'émission Maman et célèbre à laquelle elle participe. Une surexposition parfois critiquée par les internautes. Ce lundi 13 septembre, Hilary a tenu à répondre à ces derniers lors d'un jeu de questions-réponses avec ses abonnés. Pourquoi exposer son fils sur les réseaux et à la télé lui demande-t-on? Question pertinente, commence-t-elle, sans se vexer. Tout d'abord l'exposition de notre fils a été un sujet de conversation quand j'étais enceinte. Je suis partie du principe que depuis 10 ans j'ai donné ma vie à la télé. Certains me connaissent depuis tellement longtemps. Point que la suite logique c'était de vous présenter ma famille, explique-t-elle. Puis, Hilary estime que si cette initiative n'était pas venue d'elle, d'autres s'en seraient chargés. D'autres personnes l'auraient fait à mon insu, pense celle qui affirme ne rien regretter. Et c'est bien le principal.